Ça va les gars, bien ou bien? Tang tang tang. Comme d'habitude, je vais aller voir si ça marche. Tout fonctionne. Hop. Eh mais elle me veut quoi elle là? Salut Super Ninou. Ça va ou quoi? Ça va les amis? Bien? Où est chaleur? Deuxième live en deux jours les amis. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui étaient là hier. Eh mais ça me fait délirer parce que quand je lance un live, il y en a blindé qui parle pour la première fois. C'est un truc de ouf. Ça va les amis, bien? Bon, je reprends un petit rythme hein, vu que j'ai récupéré mon PC. Vas-y, quand j'ai du temps, je live. Et là, j'avais du temps. Parce que j'ai fini ma petite journée tranquillou. Du coup, je me suis dit, vas-y. En fait, pour tout vous dire, merci beaucoup, Lucie. Lucie, Lucie. Ou Lucie Tanance. Mais ouais, ce que je voulais vous dire. En gros, je suis en train d'essayer de bien manger en ce moment. C'est à l'encontre de ma vidéo de demain qui sort sur ma chaîne principale, mais bref, j'essaie de quand même bien manger au niveau des repas. Et ce midi, j'ai mangé un truc un peu... pas gras. Des haricots, du poisson et tout, et j'ai la dalle, et je tournais en rond. Et si je lançais pas stream, bah 100% je serais parti bouffer. Voilà, vous êtes un petit peu mon... mon cale-ventre. Ça va ? Un live deux soirs d'affilée, tu nous gâtes. Après, je vais pas live jusque tard, là. En fait, en gros, j'attends juste le repas. On va attendre jusque 20h30 et après, je bouffe. Wesh! Les quasi-bro! Ça va ou quoi, Alex? Ça va, frérot, bien? Les amis, j'ai refait mes stocks et j'ai encore des cartes Pokémon à ouvrir. Du coup, bah, on va chill tranquille. Ça roule et toi, frère? Bah, ça va, j'ai faim. Putain, j'ai vraiment faim, là. Merci beaucoup, Tiz. Je préfère à chaque fois dire les deux types de blasts différents parce que sinon j'écorche. Ça va? Comment il va le régalouze là? Ça va bien, on a encore un peu taffé aujourd'hui. Hein. Petite réunion et tout cet après-midi là, ça taffe hein. « 23 courses pour le GP de F2 en 2022. » T'as vu? J'ai pas suivi, je t'avoue. Je reçois ma PS5 normalement demain, moi, pour FIFA, mais je sais pas si les autres ils vont club pro. Attendez, il faut que j'aille fermer ma porte parce que bah, y a la machine à laver qui se lance. Ça va être chiant si on entend un bruit de machine à laver. Je vais pas vous mytho. Ah, salut les gars. Ça va? Bon, on fait quoi? On ouvre des petites cartes. Alors là, les gars, c'est le vrac absolu. J'ai fait les fonds de tiroir. Je vous montre un petit peu ce que j'ai. On ira voir sur PokéCardex ce qu'on peut avoir là-dedans. J'ai, alors quand je vous dis c'est les fonds de tiroir, j'ai du Alliance Infaillible. Je sais pas pourquoi j'en ai qui sont emballés, j'en ai qui sont pas emballés. Merci beaucoup CSB. Cimer. Voilà, j'ai ça. Donc là c'est full Alliance Infaillible. Dedans on verra, il y a du gros drac au feu. J'ai du Harmonie des Esprits. J'ai même une... Elle est où? J'ai une demi-display qui était... Je l'ai chopé non scellé. D'ailleurs il y a encore du Alliance Infaillible là. Ouais, je l'ai chopé du non scellé, du coup à ouvrir, tu vois. Je sais plus ce qu'on peut avoir dans Harmonie des Esprits, on verra. Donc j'ai ça, ensuite j'ai des tripacks de voltage éclatante, toujours à la recherche de notre Pikachu, les gars. Eh, on n'abandonne pas, hein. J'ai un tripack de ténèbres embrasées, avec un petit Pika, ça fait plaisir. Et ensuite...
J'ai des Pokébox comme ça. Tac. Voilà, c'est le petit trio. Merci beaucoup, Maël. Cimer. Merci beaucoup, Steve. Salut BG, tu vas refaire du Among Us prochainement. J'aimerais bien, mais je sais pas si les autres sont chauds. Faudrait que je relance un message dans notre conv. J'ai mon ventre qui gargouille, les gars, j'ai trop faim. Putain, vas-y, je suis un dalleux, moi, j'en peux plus. C'est mon premier jour où j'essaie de bien manger, j'ai la dalle. Pourquoi? Mais voilà, il y a ça. Dedans, il y a du évolution céleste. Et après, je sais plus. On verra. Découverte. On commence par quoi? La diète t'a mis à la... Ah ouais, non, mais laisse tomber. Putain, mais t'es là, Johan! T'es là, Ti! Du coup, je bois de l'eau. Tu manges quoi ce soir? C'est galette au blé noir avec du jambon et des champignons. Sans fromage. Sans fromage, les gars. Sans fromage, putain. On commence par quoi? Ah bah je vois que les gens ils sont chauds pour Among Us, on refera sûrement une session Among Us. Faut que j'envoie un message dans la conf, vraiment. Je vais envoyer un message le soir. C'est quoi du blé noir? Bah c'est du blé noir, frère. Est-ce qu'on commence par ça? Enfin quoi que demi-display, après c'est des boosters classiques dedans. Est-ce qu'on commence par harmonie des esprits ou est-ce qu'on commence par voltage éclatant qu'on avait fait hier? Fait, j'en sais rien, gros. Ça raconte quoi? Bah rien, on est là. Hein. On est là, posé, pépère. Hein. Marathon de Paris pour moi dimanche. Comme ça après, je peux me préparer pour les box régalouzes. T'as encore un peu le temps. Les box, il n'y a pas encore de date, mais moi j'aimerais bien que ce soit fin d'année, mais il n'y a pas encore de date. Voltage, vas-y, on va commencer par du voltage, les gars. Vas-y, on va se chauffer avec du voltage. Hop, c'est du tripack, donc en plus, il risque d'avoir des trucs lourds dedans. Et en vrai, j'en ai quand même pas mal, hein. J'ai 4 tripacks. Vas-y. On commence par ça. Est-ce qu'on aura du pika, les amis? Hier, j'en ai ouvert du coup des boosters voltage. J'en ai ouvert au moins 60. On n'a rien eu de malade. Mais putain, c'est vrai, il y a une carte promo, j'allais l'acheter. Hop, la petite carte promo et clairement le badge, mais est-ce qu'on s'en fout du badge? Qu'est-ce que c'est que cette... Ça sert à quoi? Il y a vraiment des gens qui font collection de ça, je sais même pas ça ressemble à quoi là. Je saurais pas dire c'est quel Pokémon dessus. Éclaté. Je crois que je le jette. Je l'ai mis dans mon tiroir. Faut que tu fasses un calendrier de l'Avent Régalouze. C'est dans mes objectifs. Un petit flambino. Bon, elle est belle la carte, mais bon. Hop, ok, très bien. Attends, faut que je me fasse de l'espace là. Comme ça, on enchaîne. Bon, bah c'est parti. Premier petit booster. Trop pressé que ça se lance au projet. Ah, je suis méga pressé aussi, hein, laisse tomber, hein. Mais faut pas griller les étapes. Faire ça progressivement, tranquille. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui parlent pour la première fois. Débarque. Vrai projet, ça a l'air d'être quelque chose de sérieux, bien joué. Bah on va essayer, hein. 1, 2, 3, 4. C'est parti les amis. Let's go! Est-ce qu'on aura de la chance aujourd'hui? Je ne sais pas. Je pense que tout le monde est hype de fou pour le projet Régalouz. Ça, la mèche. Allez, je vais faire comme la dernière fois. Je vais. La famille de Dracaufeu, je vais la mettre de côté pour voir un petit peu en fin de créneau si on a eu quelque chose. Aqualie en reverse. Et première carte, première booster de merde. Hop. Ça fait plaisir des lives chill comme les tiens. Oh bah moi j'aime bien en vrai. Bah je te dis là j'ai fini ma journée. Qu'est-ce que j'aurais fait? Déjà j'aurais essayé d'aller dans mon frigo pour graille et il faut pas.
Donc c'est pour ça qu'il fallait que je m'occupe. Sinon, qu'est-ce que j'aurais fait? En vrai, j'aurais joué à Pokémon Unite, parce que j'y joue tout le temps, je kiffe le jeu en vrai. Je me serais mis dans mon siège massant, direction le 7e ciel, et j'aurais joué à Pokémon Unite, pendant 1 heure peut-être. Et ce soir, il me semble que Pidi a invité des potes. Enfin, il y a Théa qui vient à la maison, et en vrai, je sais pas à qui d'autre, mais je sais qu'elle a invité plusieurs personnes. Et du coup, bah, je vais attendre, et après, je vais aller chill là-bas aussi, hein, avec eux. Donc, vers 20h30, peut-être. Merci beaucoup, It's me, buddy! Oh! Zacian! Zacian Amazing! Deuxième booster! Franchement, Zacian Amazing, il est quand même assez rare. Hein. Et derrière, Regirock en holographique. Ça fait plaisir. Ça commence très bien. Il y a Paris ce soir. C'est quoi? C'est Paris-Angers? Mais bon, l'équipe de Paris, elle est éclatée, là. Merci beaucoup. Le fou de la place. C'est Lottie. Ah, mais il y a Danse avec les Stars aussi ce soir, j'avoue. Bah, en fait, bah, c'est pour ça qu'en fait, Pidi, elle invite les meufs. C'est parce qu'il y a Danse avec les Stars, je comprends mieux. Bah, je vais regarder sûrement Danse avec les Stars, hein, parce que le Mich, hein, les gars, on soutient. Et en plus, il s'est grave amélioré, le Mich. Là, la semaine dernière, je trouve que c'était sa meilleure danse. Il y en a qui suivent, là, Danse avec les Stars? La semaine dernière, franchement, c'était sa meilleure danse. Il était à l'aise, il s'amusait, ça se voyait, ça se ressentait. C'est vraiment le crack. Moi, je trouve qu'il s'est grave amélioré, hein, parce que Michou, il est parti de rien, hein, il savait pas du tout danser. C'est stylé quand même, hein, qui est fait danser avec les stars et qu'il le fait à fond. Parce que, en vrai, il aurait pu dire oui, je le fais juste voilà pour le kiff, faire un ou deux primes, après sauter parce que bah il sait pas danser. Mais c'est vraiment investi, il fait des 7-8 heures de danse par jour. Son quotidien, c'est vraiment d'être avec Elsa collé serré toute la journée. Ça va lui faire bizarre quand il va être éliminé. Hein. Bon, parce qu'on. Michou, je te kiffe gros, vraiment, je te soutiens à mort et tout. Mais ça va être ça va être très dur de gagner. Hein. On va pas se mytho. Hein. Vu le level qu'il y a en face, ça va être très très dur. Hein. Bon, 3 nouveaux boosters. Et encore un Flambino. Ok. Un tripack comme ça vaut combien? Ça doit valoir une 30aine d'euros. C'est pas donné. Le même jeton, vu que c'est le même tripack. Tu aimerais encore faire Koh-Lanta ou pas Val? Putain, je suis devenu trop gourmand. Bah, j'ai toujours été gourmand, hein, mais encore plus maintenant. Donc Koh-Lanta, je crois que je tomberai dans les pommes. Et niveau sportif, vas-y, je suis claqué maintenant. J'ai plus de conditions physiques. Hein. Faut que je me remette au sport. Hein. Cherche un coach sportif d'ailleurs. J'ai toujours pas trouvé. Salut Valouz, je retente ma chance today après avoir fait la demande 4 fois hier. MDR et Galouz proposera-t-il des livraisons pour la réunion? Bah, je peux pas donner de réponse parce qu'on est encore en train de voir avec le transporteur. On a un rendez-vous mercredi prochain d'ailleurs. Mais je vous raconte ma life, quoi. Mais on pose la question. Mais la réunion, je sais pas. Au niveau des dom-toms et tout, je sais pas du tout. Wesh, on l'a pas eu une seule fois hier et pourtant il est éclaté. Hasta coda. Attends, mais on est bien sur du voltage, bah oui. On l'a pas eu une seule fois hier. En 60 boosters. Mais ouais, je sais pas encore, vu qu'on n'a pas encore signé notre contrat de transport et du coup, on est en train de négocier les meilleurs tarifs, quoi. Tu connais, hein. Mais du coup, on peut pas savoir encore. Il y a ton ref, il est Vlastok Tinkan maintenant, c'est ouf. Ouais, frère, laisse tomber, hein. Tinkan, gros, il est monstrueux. Hein. Bah, après, il y a l'armée, il se tue dans le sport. Hein. C'est mon petit frère, Tinkan. Genre, mon petit frère, il est. Wouah! C'est une masse. Mais lui, plus tard, il veut devenir. Il veut travailler dans la diète et. Putain, c'est quand même improbable que mon frère. Il veut travailler là-dedans. Dans la diète et dans le sport. Oh. Excusez-moi. Sony, hein, la petite OP. Vous connaissez, hein, faut que je le place au moins 5 fois par live. Booster éclaté.
Il est vraiment stock pour de vrai, sec à mort. Ah ouais, il est sec à mort. Hein. Et pourtant, il mange bien. Hein. C'est un gros mangeur. Je retente ma chance pour te dire que je suis fan de toi, Epidi, Michou, bref, la team Crouton, tu pourras leur dire STP. Bah si, merde pour ton petit message. Après, tu veux que je leur dise quoi réellement, genre... Il y a... Comment tu t'appelles ? Lily. Il y a Lily Game qui est fan de nous. Je vais dire ça à Team Crouton la prochaine fois que je les vois. Hop. Ouais, j'ai un nouveau PC, c'est pour ça que je peux enfin rejouer et refaire des streams. Voilà. Mais là, tu vois, genre j'avais envie de live et tout, mais j'avais pas envie de jouer à quelque chose. Je préfère parler... En vrai, ouvrir des cartes Pokémon en live, c'est golden. C'est trop bien. Tu prends ton temps, tu fais ce que tu veux. Comment ils vont les dodos? Ils vont bien. Et d'ailleurs, c'est la journée officielle des pugs aujourd'hui. C'est Speedy qui me l'a dit tout à l'heure. Ok, attention. Oh! Oh! Faramp V Full Art, les amis. Il est beau. Il est franchement joli. Ah, c'est un Pokémon que je kiffe, moi, Faramp. Ah, je suis content, là. Très belle carte. Vraiment sympa. Elle est belle, en vrai. Mais t'es là, Ti. Comment ça va, la famille? Ça va, et Ti? Ah, le Faramp, il est franchement stylé. Ok. Premier full art, les gars. Tata, vas-y, attends, je vais remettre comme ça, comme hier. On va commencer de là. Allez, hop, le côté maniaque de Valouz refait surface. Faut que tout soit droit, bien aligné. Putain. Bon, bah... Attends, mais c'est une nouvelle triplette qu'on a dévorée, en fait. C'est déjà 6 boosters. J'ai nettoyé mon bureau tout à l'heure et il va de nouveau avoir plein de trucs de Pokémon. Encore un petit Flambino, hein, ça change pas. Septième booster. Hein. Le Bitcoin remonte de ouf, c'est cool ça. Ah, j'ai vu, il a retapé 60k là. Ça fait plaisir, putain de merde. En plus, je me suis goinfré quand il était retombé dans les 30. Hein. Vers les 40 et tout, ouais. Là, la chute, elle a fait du bien pour se recharger. Je sais pas vous. Mais attends, on attend. J'ai rien vu. Oh, bah tiens, rétincelle, allez hop. Le petit rétincelle qui tombe, les amis. Polichombre. Poulpaf. Attention. Oh, une V Zarude. On est trop chaud en fait. J'en ai tellement ouvert, frère. J'en ai tellement ouvert des boosters voltage. C'est un truc de fou furieux. Voilà, crypto, on est là. Hein. Ça bum bien, bien. Ah, là, ça fait plaisir. Hein. Eh, j'ai vu. Bon, j'ai pas un gros bac dessus, mais moi, je suis sur une crypto qui s'appelle le Nucifer. Je l'ai vendu ce matin, mon gars. Pour ceux qui savent de quoi je parle, allez voir la courbe, vous allez choquer. En un jour, vous allez choquer. Hein. Mais moi, j'étais pas prêt. Tu penses faire des best-of de tes lives? Non. Les lives, c'est que pour ceux qui sont là. Et puis, en vrai, non. Sur YouTube, je mets plus du contenu exclusif à YouTube, tu vois. Ouais, Chita, ça va ou quoi, gros? T'es là, Ti. Salut, Timothée. Du coup, tu as racheté une PS5? J'en ai trouvé une, là. Tu utilises quel site pour ton wallet crypto? Un peu de tout, hein. Merde. Un peu tout, parce que bah tu trouves pas tout sur un seul site, tu vois.
Tu comptes live quoi sur Twitch, frère? En fait, moi, Twitch, c'est vraiment du freestyle. C'est je live ce que j'ai envie. Je sais que bah, y a le Pokémon qui va sortir, donc je vais sûrement jouer Pokémon. Et ensuite, Jurassic World Evolution 2. Ah bah tiens, il retombe une deuxième fois, lui. Je pense que je vais bien le saigner aussi sur Twitch. Parce que c'est des jeux qui s'y prêtent, où t'es là, c'est calme, c'est chill, t'as le temps de parler avec les gens. Parce qu'en vrai, genre, j'aime bien streamer Among Us, etc., tu vois. Mais t'as pas l'interaction avec le chat. Du coup, c'est pas dingue. Ok, ça fait plus de viewers et tout, mais je m'en bats les couilles. Moi, je veux juste parler avec les gens, tu vois, quand je lance sur Twitch. Sorare, ça avance très très bien, ouais. Vive Sorare, hein. On le dira jamais assez, hein. Avec Sorare, je vais voir le Classico la semaine prochaine. Il m'invite en VIP, truc de fou. Ça va être... Oh, Logia! Logia en reverse. En reverse, il tombe très rarement. Hein. Oh, je croyais que ça allait être un Dracaufeu. Logia en reverse, ça, c'est du... Hop. Ça, j'en prends soin, j'aime bien. Vous le savez, Logia, je les stocke. Hein. Quand tu veux, on démarre le coaching. Envoyez-moi des mails là, s'il y a des coachs sportifs. Il me reste plus qu'une triplette voltage et on aura fini voltage. Hein. Putain, ça me fait mal au cœur. Parce que là, c'est vraiment mes derniers de derniers hors display. Va vraiment falloir que je remette la main au portefeuille pour en racheter là. Putain, c'est chier. Un live Far Cry 6? Oh non, non. Pourtant, j'aimais bien Far Cry à l'époque. Far Cry 3 surtout. Vraiment, Far Cry 3, c'était vraiment le meilleur. Hein. Mais après, j'ai lâché, c'était toujours pareil. Et là, bon, bah... Pff. Ce genre de jeu, ça m'intéresse plus trop. Cette fois-ci, on a Wiz Tempo, les barres. Ouvre du Célébration, Valouz, il y a plein de Pikachu. Je reçois le Célébration bientôt, mais Célébration, je le fais en vidéo plus. En live, je préfère faire les trucs que je fais pas en vidéo. C'est les boosters en vrac ou... T'as vendu combien en Lucifer? Je l'ai vendu quand il était à 1,70$. Et je l'avais acheté quand il était à 28 centimes il y a 3 mois peut-être. Une belle plus-value un jour là. En plus, ça faisait longtemps que je voulais me barrer de cette crypto et là je vois ça, je fais... Oh, belle porte de sortie! Ça fait plaisir! Bah, wesh! Attends, mais je te jure, c'est 100%. Il y a un micro dans les paquets, c'est pas possible. C'est la seule anecdote que je raconte sur une carte de merde. Ouais, hier on a ouvert 60 paquets, on l'a pas eu une seule fois. Et ça fait quoi? Ça fait 3-4 fois qu'on l'a? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? T'as déjà pensé à commander du japonais? Non, ça m'intéresse pas du tout. Tout ce qui est hors français et tout, ça m'intéresse pas du tout. J'aurais moins de plaisir à collectionner une langue étrangère, je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que je joue en fait, je sais pas. Y a pas de justification. Tu vois, là, je suis content, j'ouvre mon classeur, je regarde mes cartes, tac, tac, tac. Je suis content de voir des cartes françaises comme quand j'étais petit. Carte japonaise, attends, est-ce que j'ai fait le tri? Non. 1, 2, 3, 4... Pour Egalouz, les gars, on n'a pas encore de prix fixe. On avait pensé à 40€, mais on ne sait pas encore tant qu'on n'aura pas tous les produits à l'intérieur, etc. Mais dans notre business plan, ouais, c'était 40 balles. Ça ne sera pas plus de 40€. Ça, je le garantis. Je veux pas que ce soit plus de 40€. Mais... C'est 40€ au moins. Oh! Oh! Un pic. Oh, attends! Attends, jaune, full art. Attendez, attendez, ça peut être un Pikachu OV. Oh! Pikachu VMAX! Mon troisième! Et vraiment, il est super rare, les amis. Alors, je suis dégoûté parce que j'aurais préféré avoir le Pikachu V classique, que j'ai pas, bizarrement. Pourtant, il est moins rare que lui. Celui-là, il est quand même assez rare parce qu'en 1500 boosters, voire plus, je l'ai eu que 3 fois. Enfin, c'est que le troisième. Incroyable. Et pour l'anecdote, ce Pikachu-là, putain, ça fait plaisir.
Ce Pikachu-là, alors, qui est vraiment rare, encore une fois. Bon, moi, c'est cette version arc-en-ciel hein, que je recherche. Mais bon, lui, c'est un booster sur 2800, tu vois, je crois, la moyenne. C'est vraiment abusé. Mais lui, pour l'anecdote, il est hyper rare. Et la première vidéo Pokémon que j'ai fait, quand je me suis lancé dans le game sur les vidéos YouTube, je l'avais chopé en 3 boosters. Je l'avais chopé en 3 boosters. En mode, bienvenue, Valouz. Tu verras, c'est pas si facile. Ouais, bah, 1600 boosters plus tard, ouais, c'est pas si facile. Mais ça fait plaisir, mon troisième. Et franchement, c'est cool, parce que c'est des Pikachu que j'ai tirés. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Bon, bah par contre, mon dernier booster voltage, les gars. Bon, au moins, on aura quand même eu un Pikachu VMAX. Je peux pas m'en plaindre. Mais putain, s'il avait été arc-en-ciel, oh là 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 là, ça aurait été ouf. Ça aurait été ouf. Je l'ai eu en 36 boosters. Lequel? Le arc-en-ciel? Putain de chanceux. Ça coûte combien un booster là? C'est entre 10 et 15 euros le booster. Il y a encore un truc, les gars, je pense. Il y a un truc. Il y a un truc. Oh, ça... Oh, imagine, j'enchaîne ça et ensuite l'arc-en-ciel. Oh, j'y crois. Ça y est, j'y crois. Le tout dernier booster de ma collection actuelle que j'ai. Oh, j'y crois, j'y crois, j'y crois. Dur comme fer là. Oh, j'ai vu un truc brillant. Je vois ça brille là. Ça brille derrière. Ça brille, les amis, on se dépêche. Oh, attention. Oh, ça brille. Oh, ça brille. Oh, c'est du arc-en-ciel. Oh, c'est du arc-en-ciel. Je crois que c'est Phaser arc-en-ciel. Oh là là, putain, mais je suis trop chaud! C'est du arc-en-ciel, mais c'est quoi? Double booster? Ce tripack de folie! Alors lui, il est rentable. Alors lui, il est clairement rentable. Bon, c'est Phaser arc-en-ciel. J'ai remarqué avec son petit bout de pied. Je l'ai déjà eu aussi plusieurs fois, deux, trois fois. Bon, belle carte, mais dresseur, on s'en bat les couilles. Mais arc-en-ciel. Arc-en-ciel, les gars, on a quand même été chanceux. Arc-en-ciel, voilà. Bon, qui s'en bat les couilles de Phaser? PTDR, t'es qui, je sais pas. Mais c'est beau. C'est arc-en-ciel, les amis. Je te ferai kiffer le week-end, ma jolie. On ouvre quoi, le tripack Ténèbres embrasées? Vu qu'on est sur les tripacks, autant le faire. Alors, dans lui, attendez, je vais vous sortir Poké Cardex pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut choper. Alors, Ténèbres embrasées, comme ça au moins on est à jour, on voit un petit peu qu'est-ce qu'on peut choper. Ténèbres embrasées, vu que c'est une nouvelle collection, ouais, en vrai de vrai, puis Pulsion VMAX, je le veux bien. Je le veux bien, c'est un Pokémon que j'aime bien. Peut-on voir ta pochette? Comment ça, ma pochette? Voilà, donc ensuite il y a quoi? Merde. Ensuite, il y a quoi? Oh. Il y a du Dracaufeu V. Du Dracaufeu VMAX. Full art. Bon. J'aime bien dire full art, mais quand c'est VMAX en général, c'est full art de toute façon. Mais voilà. Oh, très belle carte. Démolos V, il est pas mal. Hein. Je sais pas vous, ça me plaît bien. Ok, bon, ça c'est dégueulasse. Ça, c'est le genre de Pokémon qui ressemble à rien, gros. Ça, tu aimes? Hey, putain, mais wesh! C'est l'insecte que j'ai eu dans ma. Dans ma salle de bain hier. Je te jure, j'ai fait une souris, les gars. J'ai vu un insecte hier dans ma salle de bain. Je me suis chié dessus. C'était un monstre, le bail. C'était clairement ça. Ah, il y a un petit Faramp. Sympa. Oh, le petit Mew V, il est cool. Il est pas mal, hein. Non, c'était pas un pince-oreille. C'était un... Je sais plus c'est quoi le nom. Je l'ai mis sur ma story. Attends, je te jure, je vais regarder pour vous dire c'était quoi. Au pire, vous tapez ça sur... si vous me suivez pas sur Insta, vous tapez ça sur Google. Ça s'appelle un scutigère. Scutigère, gros. C'est dégueulasse, bordel. Je l'ai sous mes yeux, là. Bah, j'ai des frissons. Ça dégoûte. Un scutigère, les gars. Je savais même pas que ça existait. Et apparemment, il y en a beaucoup qui connaissent, mais moi, je connaissais pas. Tac, tac, tac. Oh, petit Ombrilex. Il est sympa. Je suis le seul mec qui aime bien avoir des cartes comme ça, gros. Parce que les gens, ils recherchent toujours les grosses, mais... Wesh alors, merci beaucoup, Hack. Merci, merci, coucou Leval, ça va ou quoi? C'est merde pour ton petit sub, ça fait plaisir. Pff, ça, c'est dégueulasse, frère. Mais gros, je sais pas, il est où le Pokémon, là? Je comprends rien. Je comprends rien.
Et ça, c'est quoi ça? On dirait t'es dans Megaman. Et ils sont partis en couille des fois. Hein. Bon, par contre, Cisaiox, VMAX, c'est sympa. Oh là là, ça j'aime bien. Ça j'aime vraiment bien. Drattaque VMAX, les gars. Il y a vraiment un flow. Hein. Mais c'est un mille pattes. Bah, c'est une famille des mille pattes, mais c'est pas pareil. Oh là 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 là, celle-là elle est insane. Oh. Alors ça c'est que des cartes que j'ai pas parce que Ténèbres embrasées, j'en ai jamais ouvert. Ah si, peut-être une display. Non, non, pas Ténèbres embrasées, c'était Ombre Ardente. Donc Ténèbres embrassées, c'est les premières que je vais ouvrir. Donc là si on a du lourd, j'ai que 3 boosters. Hein, mais clairement, oh là là, le Démolos V. Oh là 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 là, le Papillusion là, pareil, il est incroyable. Bon, par contre, ça, j'ai le seum. Je sais pas ce que c'est, gros. Ok, il n'y a pas de Dracofeur. Il n'y a pas beaucoup d'arc-en-ciel dans cette collection. Il y a Drattaque VMAX arc-en-ciel. Super sympa. Mais ouais, non. Ok, donc objectif, on va se dire quand même, hein, les gars, pour juste le délire. Bon, je sais que c'est quasi impossible, mais on va viser ce Dracofeu là. Sait-on jamais. Mais voilà. On verra. J'ai que 3 boosters. Hop. C'est parti. Les cartes gold, elles sont incroyables. Ouais. En plus, les cartes gold, elles sont impressionnantes à avoir dans sa main. Elles sont vraiment bien réussies, je trouve. Ok. Donc, 3 boosters. On a le Pikachu. Celui-là que j'avais. Je l'ai eu dans un autre. Je sais pas comment je l'ai eu, mais je l'ai. Je le sais dans ma collection, je l'ai. Putain, j'arrive pas à l'enlever. Voilà. Je sais pas, je l'ai eu où, parce que bah bizarrement, je pense que c'est un Pikachu qui est accessible que en promo dans des tri-packs. Mais je l'ai. Pourtant, j'en ai jamais ouvert des tri-packs comme ça. Hop, le petit Pikachu assuré, ça fait plaise. Pour la collection. Hein. Bon, même si je l'ai, je me répète. Mais voilà. Hop, on réouvre des nouveaux top loaders. Eh gros, je suis vraiment un Yankee sur les top loaders. Hein. Putain, c'est un budget. Hein. C'est un putain de budget, je te jure. Allez, hop, ça on fout par terre. Ça coûte cher de prendre soin des cartes Pokémon. Allez, le petit Pikachu, on va le mettre ici. Bon, désolé pour le reflet, mais je t'avoue, j'ai pas le choix en fait. Ouais, non, j'ai pas le choix. Le code, c'est pour Pimpus. Allez, on reprend. Tu les achètes tous tes boosters Vinted ou eBay? En général. Ou après, achat entre particuliers sur Instagram parce que je suis beaucoup de gens qui sont dans le game Pokémon et du coup, dès qu'il y a des offres et tout, j'achète. 1, 2, 3, 4. Allez, le petit Dracofeu, on y croit. Hein. On y croit. Ça sera incroyable. Ok. Bon là je vais prendre un peu plus de temps parce que les visuels c'est pas du voltage. J'ai pas l'habitude. Infect. Et tour vol. Oh c'est les rocs. J'avais oublié ce Pokémon. Ça c'est Ruby Saphir. Ok. Toupie-coeur, je suis mort de rire. Une petite statuette derrière. Rondoudou. Ça c'est un Pokémon que j'aime bien alors que tout le monde s'en bat les couilles mais Rondoudou il m'a bercé tu vois. Avec sa petite musique et il endort tout le monde, il fait des dessins sur les visages. Ok. C'est de la merde, hein. Premier pack, les amis, poubelle de Ténèbres Embrasées. Ténèbres Embrasées, je sais pas ça coûte à combien le booster. Je vous avoue, ça doit être pareil, 10-15 balles. N'hésitez pas à me dire, ceux qui sont actifs dans le monde de Pokémon ou si vous avez eBay l'ouvert. Tu regardes les dernières ventes réussies sur les boosters et puis... Ça te donnera une idée sur le cours du booster. Vas-y, yo. Ça marche. Bon app, gros. Putain, tu me manges à 19h17. Tu me donnes faim. Allez. Trio Picker, cette fois-ci. Très bien. Tu les achètes où, les sleeves? Et combien? Les sleeves et les top loaders sur Amazon. Combien? Je crois que ça, c'est 10 balles. Je pense, hein. Ouais, c'est 10 balles. Et ça doit coûter 5 balles peut-être.
t'avoue, je sais plus. J'avais. Je pense qu'il y a des invités de Pidi qui arrivent. J'avais acheté en gros. Je vais fermer ma porte. Ça va être la guerre sinon. Ça va être la guerre sinon. Ouais, je sais plus ce que je disais. Ouais, je les avais achetés en gros, les sleeves et les top loaders. Et du coup, je m'en rappelle plus. Migalos, le petit rondoudou. Oh, Soloshi. Il est beau le visuel en vrai. J'aime bien. Hein. Skitty. Ok. Gringolem. Hippopotas. Complètement furax. On a... Oh, Polagriff en reverse. Aïe, 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 aïe. Pachiraja. Alors là, c'est un Pokémon que je connais pas. Enfin, si, lui, je l'ai déjà vu, le petit éléphant. C'est pas un starter? Je sais pas, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais ça, c'est les générations que j'ai lâché Pokémon. Hein. Nul à chier. Booster poubelle, on peut le dire. Mustang est chaud. Ah ouais, mais Mustang, quand ça toque, les gars, c'est un démon. C'est quoi la carte de tes rêves à part Dracaufeu? C'est même pas Dracaufeu. Hein. C'est Pikachu. VMAX arc-en-ciel, mon ami. C'est la carte de mes rêves. Désolé. C'était la deuxième coupure publicitaire Sony. Allez. Le dernier. Putain. On s'est emballé à regarder sur Pokécardex les cartes qu'on pouvait avoir. Et au final, on n'a rien du tout, wesh. Je pensais en avoir au moins une de rare. Dans un tripack, en général, t'es quand même bien servi. Solarock, cette fois-ci. Ok, sympa le Dynavolt. Feuillage où ? Hermure ! Pokémon sous-côté. Moi, j'aime bien Hermure. Ok, Tourmi. Attention, Reverse, fortifiant turbo. Oh, sa mère, je me suis fait baiser la gueule. Oh là 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 là. Le tripack explosé. C'était nul à chier, les amis. C'était nul. C'était nul à chier. Qu'est-ce que je peux faire, là, maintenant, du coup ? Je fais quoi ? J'ouvre quoi ? Est-ce que j'ouvre les Pokébox, là ? Tac. Les Pokébox comme ça, du coup. Un Aqualie, un Voltaïe, un Pyroli. Vas-y, j'ouvre ça. Ça, je les ai achetés en magasin. Hier. Hier, j'étais faire mes courses classiques, tu vois. Parce que, ouais, c'est vrai que moi, les gars, je fais pas de drive. Je fais mes courses en physique. Il y en a beaucoup. D'ailleurs, quand je croise des abos, ils sont en mode « Tu fais tes courses en physique, Valouz ?» Bah ouais, j'aime bien. Ça me détend. Et du coup, bah, souvent, je vais dans le rayon enfant. Et j'ai vu qu'il y avait des Pokébox. Et du coup, je les ai pris. J'en ai jamais ouvert. Je sais même pas ce qu'il y a dedans. Bah, je vois qu'il y a de l'évolution céleste. Ok, le petit Aqualivé. Comment faire pour la prendre et pas l'abîmer ? Ok. Avec un petit code, toujours plus les codes. Je mets mon gros pouce sur la tête d'Aquali. Il y a une grosse réduction sur les évolutions célestes sur Amazon. Sérieux ? Faudrait que je regarde. Parce que évolution céleste, moi j'aime bien la collection. Il est sympa en vrai le Aquali. Très bien. Donc là on aura toute la famille. Hein. Le petit Aquali des familles. Merde, putain, je suis en train de tout péter. Et dedans, du coup, il y a 4 boosters, 2 évolutions célestes, 1 alliance infaillible et Reine de Glace. Bon, ça, c'est 2 collections de merde. Hein. Surtout Reine de Glace, c'est de la daube. À part le Sulfura. Et après, alliance infaillible, il y a quand même un Dracaufeu. Il y a Dracaufeu et Zekrom et Reshiram. Arc-en-ciel et normal. Et il n'y a rien d'autre ouais, dans la Pokébox. Ok. Ça sert à quoi après? Tu fais quoi avec ça hein? En vrai de vrai. Qu'est-ce que je vais foutre avec une boîte Aquali, sérieux? Je vais pas vous mytho, ça je m'en fiche un peu. Hein. Il y a vraiment des gens qui font collection de ça ? 3,50 à la place de 10€ le booster. Oh ! C'est super intéressant, vas-y, je vais regarder après. Hein. Ok, je garde les Evo Célestes pour après. Et. On n'a pas le droit. Hein. Ah bon ? Bah non, on n'a pas le droit. Moi j'en veux bien un. Ah. Faudra bien faire une photo. Oh là là. C'est quoi dessus ? C'est du
chien sont mauvais. Oh putain de merde, comment veux-tu dire, comment tu veux dire non à ça? Les gars, j'essaye de me retenir de manger. On ouvre ma porte, on me propose à manger. J'ai pas réussi, j'ai été faible, les amis. Je suis censé dire non. Oh, j'ai trop faim. J'avais trop la dalle. J'avais vraiment trop la dalle. Bon, on garde les évolutions célestes. On va ouvrir ça. On va pas commencer à regarder il y a quoi dans la collection et tout, on ouvre en freestyle. Je découvre comme vous. Oh, ça fait du bien. C'était du chèvre cendré. C'est la bouffe qui vient à toi, mais c'est ça, putain. Les doigts sales. Les gars, c'est mes cartes, j'en ai rien à foutre. Je veux pas les vendre. C'est ma collection de cartes. Chapotus, qu'est-ce que c'est que cette merde? Galegon, ok, Morpheo. Coxy, j'en ai ouvert une fois, je crois, du Reine de Glace, c'était avec Dobby, le jour de la sortie. Poulpaf, Morpheo, ok, Sephora. Et derrière, ok, bof. Même la cam, elle veut pas vous le montrer tellement c'était éclaté, c'était ça. Sucrène. Nul à chier. On va pas se mytho, c'était nul à chier. Ça fait combien de temps Fortnite? Comment ça fait combien de temps Fortnite? Là du coup c'est Alliance Infaillible, on va en faire juste après justement. Alors, vu qu'on va en faire juste après, je vais vous montrer ce qu'on peut trouver dans Alliance Infaillible en vrai. Parce que j'en ai quand même une dizaine des boosters et comme ça au moins on sait ce qu'on peut avoir. Alors Alliance Infaillible, où es-tu? Tu dois être là-dedans. Ouais là. Alliance Infaillible, je vous montre en vitesse les top cartes. Celle-là. Franchement, elle est incroyable. Oh, elle est sympa, Arcanin, en vrai. Tortank X, c'est pas mal du tout. Bon, il y a le Pikachu, mais je l'ai déjà plein de fois. Oh, elle est sympa. Ectoplasma, il est... Ben, je l'ai déjà, en fait. Putain, je l'avais jamais vu, ce Mewtwo. Même le Mew, là, hein. Il y a... Ouais, là, bon, bah... Togepi, il est sympa, hein. J'aime bien. Ok, c'est vrai, j'avais déjà eu Persian Arc-en-Ciel. Je l'ai eu, du coup, au Mexique. C'est Bouzy qui l'avait eu. Il est trop bien, ce Ronflex. Mais attends, mais il est énervé, le Ronflex, en vrai. Elle est trop marrante, la carte. Je le veux. Alors, lui, je le veux vraiment. C'est quoi, ça, gros? Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est quoi, c'est l'ISS? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Raphaël Chen. J'ai loupé un épisode, putain de merde. Oh, là, il commence à avoir beaucoup de cartes rares. C'est le genre de collection impossible à finir, en fait. Hein. Surtout maintenant. C'est sympa, celle-là. Tortank GX Arc-en-Ciel et puis celle-là. Bon, on va espérer celle-là, les gars. Mais j'y crois zéro, mais on sait jamais, c'est possible. C'est celle-là que j'avais déjà vue, du coup, au Mexique. Très bien. Ok, bon, bah, Alliance Infaillible, les gars. Le chêne, il a fait des UV. Non, mais je crois que c'est son cousin ou un truc comme ça, non? Pas vous, j'en sais rien. J'ai pas joué aux dernières générations. Je les ai achetés, les Pokémon dernière génération... au niveau des jeux vidéo, mais j'y ai jamais joué. Allez. Qu'est-ce qu'il y aura là-dedans? Attention. Ok, Pidgeotto. Galegon, on l'avait eu aussi en Reine de Glace. Sabelette. Cornèvre. Mystère. Feu Forêt.
C'est satisfaisant. Oh, il est trop stylé, Carabaf, les gars, en reverse. Ah, il y a un Papillusion, tiens, on en parlait tout à l'heure, mais bon. Il est en classique. Bon, pas ouf, mais du Alliance, on en a encore en stock. Hein. Bon, on passe aux deux évolutions. Non, tu sais quoi, je vais ouvrir les autres Pokébox et comme ça, je vais les stocker, les évolutions célestes. Je vais les ouvrir tous en même temps. Parce que si on passe d'une collection à l'autre, vas-y, c'est trop chiant. Tac. Tu sais quoi, je devrais me focus là sur une collection à la fois. Sympa le petit Evoli. Hop. Ouais, je vais faire ça. Je vais réunir les alliances infaillibles, réunir les reines de glace, les évolutions célestes et tout faire collection par collection parce que sinon c'est la galère. Ok, on a le petit Voltali, donc là deux évolutions célestes, je les mets de côté. Là le Reine de Glace et l'Alliance Infaillible. Le reste je m'en branle. La boîte, je pense que je vais les donner quand je reçois des petits à la maison. Tu sais, genre les neveux ou tu vois. Vous voulez un cadeau? J'ai pensé à vous, hein. J'ai un sacré cadeau, regardez. Oh, c'est du Pokémon. Amis du soir, bonsoir. Comment ça va, T-Rex? Hop, je vous direct le Pyroli, comme ça c'est fait. Même pas, ça offre un booster. Si, ça offre des boosters, si. Ça va, Mustang? Mustang, il fait ça, là, il s'incruste. Ça va, mon petit Mustang? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a Bug aussi. Qu'est-ce que vous voulez? Ils ont faim. C'est dans 30 minutes que vous mangez, vous. Manger dans 30 minutes. Putain, il me regarde avec ses plus beaux yeux. Hop, ça je vais mettre là. Je vais pas vous donner à manger. C'est dans 30 minutes, c'est à 20h vous mangez. J'ai dû leur fermer la porte. Ils ont eu un faux espoir en voyant me lever. Je pensais manger tout de suite. Mais non. Ok, bah on est bien là. On est bien. Je sais quoi, je joue les reines de glace d'abord et ensuite on va se mettre sur l'alliance infaillible parce que reines de glace, j'en ai rien à foutre. Allez, on va le faire en vitesse. MDR, mon chien fait la même, demander 30 minutes avant de manger. N'empêche que ça veut dire qu'ils savent. Ils savent que ça commence à être l'heure. C'est ouf, moi je... Les chiens, ils ont une horloge dans la tête. Je te jure, ils se réveillent toujours à la même heure. Ils font toujours les mêmes trucs et tout. C'est perturbant, en vrai. Salut Val, je t'adore. Ça va? Merci pour ton petit message. Hop, ok. Coxyclac. Galekid. Tarsal. Attention. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce Pokémon de merde? Sorcilance. C'est quoi ça? C'est une sorcière, gros, mais trop bizarre. Mais attends, mais qu'est-ce que c'est? Je suis en train d'essayer de comprendre. Ah, ils sont partis en couille. Ils sont partis en couille. C'est pour ça que Reine de Glace, c'est absolument de la merde. C'est que des Pokémon de merde. Putain. Et en plus, ils sont durs à ouvrir. En plus. Ils étaient rabattes. Non, mais j'ai pas compris, hein. Ils sont partis dans un délire, gros. Regarde, quand tu vois des Pokémon comme ça, Logia, bah, Pikachu, voilà, même les évolutions. Pyroli, Voltali, Aquali, trop stylé, hein. Oh. Non, y'a rien. C'est quoi ça, gros crabeau minable? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Rendez-nous notre crabos. Putain, tout à fait. Voilà. Très bien. Zébivron et nous avons... Oh, ça j'aime bien. Mangriffe, c'est vrai que je le trouvais stylé. La carte est quand même belle en vrai.
Il manque un petit peu bah, côté holo, hein, mais bon. Ok, bon, Reine de Glace, c'est de la daube absolue, les gars. On va pas se mytho. Je vais sortir tous mes alliances. Voilà, je sors tous mes alliances infaillibles que j'ai en stock. Et comme ça, en gros, il y a ceux-là en plus. Voilà, comme ça, on se fait une petite session alliance infaillible. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 boosters. 11 boosters, on va passer un bon moment, là. 11 boosters, on peut avoir quelque chose en vrai. On va pas se mytho, les gars. Ça, c'est des boosters que j'aime pas ouvrir. Tu sais, il y a différents types de papiers de boosters. Et Alliance Infaillible, ça fait partie des papiers de merde. Ils s'ouvrent pas bien, les boosters. Ils s'ouvrent pas facilement. 1, 2, 3, 4... Gros GG Valous pour tes ambitions, t'es vraiment un boss frérot. Cimer pour ton petit message. C'est toujours en pénurie dans les magasins les cartes, ouais, toujours. Ah bah tiens, le petit Raphaël Chen, il est là. Axoloto, Doudou V. Mimitos en pâte à modeler. Il est en pâte à modeler là, hein, je me trompe pas. Hein. Ouais, ouais. Miaus, Narakayu, Genesect en reverse. Oh, le petit persian. Très bien. Pas de poubelle. Mais bon. Ça, là, ça complète ma collection parce que... Alliance infaillible, j'ai dû ouvrir ouais, peut-être deux displays. Donc ça fait ouais une 60, 70 boosters. Donc j'ai pas tout. Hein. Genre le persian, je l'avais pas. Ah bah tiens. Le petit Pikachu, les gars. Le petit Pikachu qui fait plaisir. Attends, mais hé, David Lafarge, une fois, il a fait un 24 heures ouverture Pokémon. Je sais pas comment il fait. Je sais pas comment il fait. C'est trop bien d'ouvrir, hein, mais 24 heures, t'imagines, toi. C'est un zinzin. C'est un dégénéré, vraiment. Ok. Pokématos. Je pré-shoot pour pas que la caméra s'éteigne. Le petit Pikachu que je vais mettre de côté, du coup. Hop. Très bien. Ramolos qui vit sa meilleure vie. Mais je l'ai pas déjà eu lui. Ah mais putain c'est en reverse, ok. Ossature. Bon bah ça brille pas. Ça brille pas. Donc on n'est pas content. Ça doit être cher de 1 et de 2. C'est long. C'est vrai que ça doit être cher en plus. Hein. Après, lui, il doit quand même avoir des bons contacts, hein, mine de rien, depuis le temps. Mais bon, c'est toujours lui qui paye. Hein. Les boosters, ils lui sont pas offerts. Hein. Certaines displays, de temps en temps, ça doit peut-être lui être offert par des magasins ou revendeurs ou quoi. Mais la plupart, c'est lui qui l'achète. Hein. En vrai, et même Pokémon Company, ils en ont rien à foutre des influenceurs. Hein. Il n'y a pas d'envoi de cartes en avance, etc. C'est un game ultra fermé. C'est faux de la thune. Tu veux ouvrir des cartes Pokémon? Elle est trop bien, cette carte. Tu veux ouvrir des cartes Pokémon? Il faut de la thunasse, mon gars. Voici Irene. Donnarumma. Mascaïman. Attention. Trio Picker. Éclaté. C'est un budget quand même les cartes Pokémon. Ah ouais, clairement. Bah là, clairement, là, ce que j'ouvre ce soir, il y en a pour... Bah là, il y en a... En vrai, il y en a pour au moins presque 500 euros. Hein. Bah ouais. Avec la demi-display là, les... Ouais, hein, presque. Peut-être un peu moins ou peut-être un peu plus. On va dire plus ou moins. T'imagines ça? Ah, c'est pas rentable. Hein. Mais bon. Hop, c'est parti. Petit Ravi. Oui, je le connais pas ce Pokémon. On dirait la petite évolution de le Vénin un peu. Ça tombe, c'est ça. Tentacruel. Le petit Rondoudou.
Chutiflore. Qu'est-ce que je suis en train de branler là? Hop. Ok, le petit art. Aéromite. Allez, mais ouais, j'ai. Mais oh, ok. Ok, bah bravo. Bravo, merci. Ça, ça fait plaisir. Je suis pas gâté là. Moi, j'ai une collection Pokémon estimée à 13 000 euros. Putain. Ça commence à faire, hein. 13 000 balles, gros, hein. T'imagines quand même. Gros, des cartes. Wesh, les gens qui viennent d'arriver, ça vaut quoi? Une passion, oui, mais Yana, il profite du phénomène pour acheter des boosters en masse et revendre beaucoup plus cher. Ah oui, ouais, les scalpers, hein. Ça, c'est le problème. C'est clairement le problème. C'est que moi, ce qui me désole un petit peu, c'est que les petits, ils peuvent plus acheter les... Enfin, de toute façon, c'est pas qu'ils achètent, c'est les parents, mais les cartes Pokémon, ça devient inaccessible pour les enfants. Et du coup, les parents, ils préfèrent acheter du faux que du vrai. Et là, y a un vrai souci, du coup. Normalement, c'est censé être... En vrai, c'est censé être pour les enfants, hein. Même s'il y a les anciens enfants qu'ils achètent actuellement. Voilà, il y a plus de gens qui sont là pour se faire du blé que... Putain, encore une fois, Persian. Valouz ! Alors, comment ça se passe avec Regalouz ? Ça se passe bien, écoute, hein. On taffe. Ma mère, elle se fait dévaliser dans son magasin de jouets que des adultes. Ah ouais ! Ta daronne, elle reçoit du Pokémon en avance, du coup ? Je vais appeler ta daronne, gros. Mets-moi de côté. Moi, je revends pas. Je les ouvre. Pour faire des vidéos. Elle aurait dû garder les éditions. Ah bah, franchement, si tu savais, bah ouais, en vrai, tu pouvais pas savoir, hein. Derrière le vide, trouver un nouveau contact. C'est ça, les gars. On profite un petit peu de... Faut bien que ça serve à quelque chose, Twitch. Les contacts. On travaille les contacts, toujours. La miaou. Oh, le petit Krabby. Sac de nœud. Mystère. Bah, ça me fait plaisir, ça. C'était que des Pokémon de première gen. Excellent. Krabos. Bon, c'est nul, mais je l'avais pas. Tu fais quoi de toutes les cartes qui t'intéressent pas? Je les stocke. Eh, hey, je te jure, je commence à en avoir tellement. Là, des cartes Pokémon, je dois en avoir au moins. Eh, hey, vraiment. Je suis en train de regarder mes stocks au même moment. Je dois en avoir au moins 10 000. Je les stocke et voilà. C'est ma collection. Bon, moi, j'y vais à plus. Salut. Bon app à ceux qui partent manger. Allez. C'est parti. Je le sens bien bizarrement, là. Ça fait longtemps que j'ai pas tiré un bon truc. Est-ce que tu vas faire une collaboration avec la boucherie qui te donne les viandes? Quoi, sur Regalouz? D'ailleurs, demain, c'est vidéo maison Lascour, hein. Bah, j'aimerais bien. Typica. J'aimerais bien. Faut que je rentre en contact avec eux. Faut que je leur demande. Je vais le faire aujourd'hui, j'ai oublié. Oh! Nul à chier! Farfa du VGX, full art, les amis! C'est un Pokémon que je trouve nul à chier, mais... Voilà, notre première full art GX de Alliance Infaillible. Il y a Mustang qui est en train de gratter à la porte. Est-ce que vous entendez? Et c'est vraiment un dalleux, Mustang, hein. Putain. Il voit que Pidi, elle bouge pas pour lui donner à manger, du coup, il vient gratter chez moi. Je vais aller grailler aussi poulet haricot le seum. Bonne chance. Bonne affaire, frère. Il est quasi 22h et j'ai chaud. Il est 19h42, t'habites où? Salut Valouz, vivement les box, j'attends que ça. Eh, moi aussi j'ai trop hâte. Même moi de déguster ma première box. J'ai trop hâte.
Un bon burger devant le live du vie. Raté là. Putain, je pense que je me suis fait spoil sur l'intégralité du pack, donc on va vite le faire. Je trouve que ça va être de la merde. Boostiflore. Ce pack là, il était tellement poubelle, mais waouh! Il m'en reste plus que 3 déjà des packs. Attends, on les a séchés, j'en avais 11. Hein. On les a séchés! Mais attends, mais je suis en train de les ouvrir à une vitesse grand V là! Ça sera un abo mensuel ou annuel? Mensuel. Pourra désouscrire quand tu le veux. C'est sans engagement. 3, 4, hop. Allez. Énergie. Ok. Ok. Fantominus. C'est quand même n'empêche tout le temps les mêmes cartes. Ah, Togepi. Oh, Carapuce. Sympa. Rhinocorn. Titar. Ah, Zeraora. En vrai, l'illustration, elle est pas mal. Ok. Mais bon. Pas de poubelle. Il m'en reste plus que 2. C'est bien, ça se répond entre... Vous répondez entre vous. J'ai pas besoin de me répéter. Merci, les gars. Est-ce que vous allez refaire un jeu en live avec les croutons? Bah ouais, c'est possible. Hein. C'est juste que là, tout le monde est un peu occupé. Inox est en... J'avais pas de PC. Inox est en Égypte. Michou danse avec les stars en priorité. Dobby qui recherche absolument une maison dans le coin. Et du coup, bah, il est souvent dans le coin et pas souvent chez lui. Du coup, c'est vrai que... Là, dernièrement, c'était dur à se retrouver tous ensemble, tu vois. Putain, qu'est-ce que c'est de la merde, là. Ce midi, Mathis a dit qu'il était hyper chaud à refaire du Rust. Bah, Rust, c'est pas tout de suite. Pas de mytho. Rust, c'est plus vers février. T'as testé Pokémon Unite sur mobile? Ouais, j'ai testé. Après, moi, je préfère largement sur Switch. C'est beaucoup plus... En fait, je me suis habitué. C'est ça. Je me suis vraiment habitué sur Switch parce que j'y joue encore régulièrement. Du coup... Salut, personne off. Allez. Dernier, les gars. Dernier. Oh, il est trop bien, Spectrum. Fantominus. Est-ce que j'aurai un ectoplasma, là? Attention. Ça, c'est quoi, ce Pokémon de merde? Crabominable, les gars. Putain. Alors là, c'était vraiment de la D. Hein. C'était de la D. J'ai ouvert 11 boosters juste pour ça. Sérieux? Mais vraiment, j'ai plus de boosters Alliance Infaillible, en fait. C'était de la merde, les gars. Putain. Je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté. 1, 2... 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 boosters évolution céleste. Allez. Par contre, ça, c'est une collection que je kiffe à mort. On va regarder vite fait ce qu'on peut trouver dedans. Même si je pense que certains d'entre vous doivent la connaître parce que bah, elle est récente. Hop. On va regarder un peu. Évolution céleste. Qu'est-ce que je veux? Clairement, si on peut taper du Léviator, les gars, je prends. Mais clairement, de chez clairement. Le Pikachu, je l'ai déjà. Je l'ai pas en reverse. Je l'ai pas en reverse, hein. Ouais, je pense pas que je l'ai en reverse. Ok, le mental, il est pas mal. Tac, tac. Lui, je l'ai. C'est vrai que je l'ai, celui-là. Il est insane, hein, le Noctali. Bien évidemment, il y a les Rayquaza. Ils sont insane. Lui, je l'ai en fait, non? Putain, je sais plus. Je joue tellement de boosters. Si, je pense que je l'ai. Je l'avais fait en vidéo, du coup.
Oh là là là. Ce visuel-là, il est incroyable. Oh, le Dracolos comme ça, il est... Mais je l'ai ? Non, je l'ai pas. Ah, c'est celui-là que j'ai. C'est ce Rayquaza-là que j'ai. Je me trompais. Ok. Et les arcs-en-ciel, j'en ai pas. Ah, si ? Non. Putain. L'Eviator VMAX, arc-en-ciel, il est incroyable. Lui, par contre, je l'ai. Lui aussi. Ah, c'est vrai que j'ai eu plein de dorés dans cette collection. Oh là 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 là, celui-là, il est incroyable. Il y a vraiment de la bonne carte dans cette collection. Putain. Donc là, on peut avoir des très, très, très bonnes cartes. Il est parti faire quoi en Égypte, Inox ? Il est parti kiffer, visiter un petit peu, voir les pyramides et faire de la plongée. On dirait un gosse. Bah ouais, c'est ça. Hein. Allez. Premier booster, Évolution Céleste, les amis. Pas recool. Ah, ça fait plaisir. J'avais bien aimé les visuels hein, quand j'avais fait mes vidéos ouverture. Lanturne, première carte, on a... Oh, que l'Orior, quoi. Que l'Orior. Très bien. Bon, bah pas ouf, hein. Salut Nesco, ça va ? Moi, j'ai eu Lugarok VMAX avec Évolution Céleste. Ah bah c'est vrai, vas-y, dites-moi, vous avez quoi dans Évolution Céleste en top carte ? Parce que vu que c'est récent, il y en a beaucoup, là, ils doivent être à jour. Parce qu'autant les Alliances Infaillibles, etc., c'est un peu plus vieux. Du coup, les gens, ils connaissent pas trop les collections ou simplement, ils les ont oubliées. Mais là, Évolution Céleste, c'est du tout frais. C'est ce qu'on trouve actuellement dans les magasins, en fait, avec, du coup, bah, bientôt, le Célébration. C'est flou, là, non, c'est bon. Krabarak. Ok, Hippopotas. Trop marrant, on dirait vraiment Simba. Il est parti en vacances de juillet en octobre inox. Eh, mais ouais, c'est vrai, hein. Eh putain, j'avais pas vu, il y a le Rayquaza derrière. Eh, c'est vrai. Oh. Vous avez pas vu le petit Tignon. Wesh, mon petit Samout. Si, si, la famille, ça va quoi, gros? T'es là, t'es... Le petit Tignon holographique, reverse. Et derrière, Pomme Drapi. Il est où le Pokémon, là? Là, c'est son œil, sa bouche. Ça, c'est ses ailes. J'ai du mal à le visualiser. Vous savez que j'ai un problème. Type, comment il dit ça? J'ai un souci avec mes yeux, je suis daltonien et aussi je perçois mal les reliefs. J'ai un problème de relief. Et t'es bigleux aussi, ouais, aussi je suis bigleux. Ouais. Merci, merci de me le rappeler, Samout. Ça fait plaisir en tout cas. Hein. Pomme de Renette et pomme d'api, bah c'est ça en vrai, hein. C'est jeu de mots. Hein. Ouais, il est parti solo, Inox. T'as vu le BTC? Bah j'ai vu là, quand j'ai lancé le live, il était à 60k. Ok. Oh putain, si j'ai failli tout arracher le paquet. Psycho Quack. Furiglon. Soporifique. Attention! Oh, Ludicolo holographique. Des barres. Bon, bah, ça brille un petit peu, mais bon. 61 000 là? Pas là, 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 ça fait plaisir ça. Ça fait plaisir ça. Il est parti avec la sirène. Peut-être, peut-être, hein. Faut que je dise ça, il y a des rumeurs, elles vont circuler, gros. Mais par contre, je sais qu'il parle encore avec la sirène. Il lui parle encore régulièrement. Je suis mort, c'est improbable. Des futurs projets de vidéo, bah là, pas forcément de vidéo, mais régalouse, hein, focus régalouse. Allez, donne-moi ton pseudo Fortnite. Hein. Comment ça? Qu'est-ce que tu me racontes, T? L'énergie. Nupio. Allez. Oh!
Une V, les amis. Une V, attention. Oh, lolo, V max, même full art. Oh lolo, ouais, le rebord, il est lisse. Et ensuite, ça passe au full art. Incroyable. Regardez. Vous voyez, le rebord est lisse. Du coup, je me suis dit, c'est une V classique. J'ai pris une feinte. Oh, incroyable. Elle est insane, la carte. Hein. Elle est insane. Montali V max. Ta 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 ta. Je l'avais pas vu que j'avais Noctali. Elle est belle. Elle est très très belle, la carte. Et là, les évolutions, j'en ai masse. Hein. Elle est incroyable, la carte, en vrai. Elle est vraiment belle. Hein. Elle est moins belle que Noctali. On va pas se mytho. Vous êtes plus Montali ou Noctali? Mais ça fait plaisir pour la collection. Il me reste deux boosters. Ouais, moi je préfère Noctali quand même. Wesh wesh canapèche, ça vaut quoi? C'est quoi que tu mets après le protège carte? Je mets un sleeve. Donc classique, ça vous connaissez. Voilà. Et ensuite je mets un top loader. C'est une protection rigide. Voilà. Pour pas que la carte se plie, s'abîme et voilà. Wesh mon petit pimpu, ça vaut quoi gros? Allez. Vigoroth. L'ombré. Fla bébé. Tilton. Je le trouve trop mignon. Le petit Simba. Tangalis complètement vénère en reverse. Et derrière, nous avons... Oh, Milobelus. Très bien. Bon, ça brille pas. Milobelus, je l'ai déjà en reverse et en normal. Mais voilà, c'est un bon Pokémon, Milobelus. Je dois y aller, Val, ma collègue, pour regarder un live. Ça roule, Dimitri? Non, c'est pas du voltage, la Pimpus. Là, c'est du évolution céleste. Les voltages, je les ai ouverts tout à l'heure et justement, j'ai eu... Voilà, j'ai eu ça. Et ça. On a quand même été gâtés sur voltage, en vrai, mine de rien. Pour le peu de booster que j'ai... Mais c'est vrai. Parce que j'en ai ouvert combien de boosters? J'avais 4... Ouais. Ouais, j'en ai ouvert... On en a ouvert une quinzaine. Ouais, tous les codes, ils sont de côté pour toi. Et ben, plus je commence à avoir une pile de codes. Laisse tomber, frère. Sale. Ok. Tournicoton. Love Disc. Quel Pokémon quand même. Lupio. Chlorobule. Tignon de nouveau. Ah putain. Putain, vas-y, on n'est pas chanceux. Ah si, j'ai quand même eu Mental IV Max en vrai. J'étais prêt à me plaindre, les gars. Enfant pourri gâté. Mais bon, fais chier. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah... On commençait tric-rac, il me reste plus que l'harmonie des esprits. Là, je sais pas du tout ce qu'on peut avoir. J'en ai jamais ouvert. Peut-être un booster. Attendez juste. Je vais aérer mon bureau parce qu'il commence à chauffer vu que j'ai ma porte fermée. Voilà. Mais je ferme ma persienne parce que sinon, il y a des abonnés qui vont venir. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient là, qui s'en souviennent, le jour où j'étais en live et qu'il y a un abonné qui est venu à ma fenêtre me proposer un Kinder Bueno? Complètement what the fuck. J'ai rentré une pile de malade là, mais toi avec tes codes gros, t'es malade. Ah, t'as pas su ça, Pimpus? Ouais, c'est abusé ça. Hein. Y a un show qui était venu en mode, tu veux un Kinder Bueno? What the fuck. Ok, bon bah les gars. On va ouvrir. Il me reste plus que ça. Voilà, il me reste plus que ça dans mes stocks pour aujourd'hui. Ça fait quand même pas mal de boosters. On va pas se mytho. Harmonie des esprits, je regarde un petit peu ce qu'on peut avoir. Il y a environ, je crois, il y a 17 boosters. J'en ai peut-être ouvert que un. Je vais regarder.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'en ai 16. J'en ai 16, ok. Donc j'en ai ouvert 2 apparemment. Parce qu'elle était pleine initialement. Je vais regarder sur Pokécardex, Harmonie des Esprits. Harmonie des Esprits, c'est ici. Attention, qu'est-ce qu'on peut avoir? Alors là, c'est de la découverte. Hein. Je sais pas ce qu'on peut avoir. Si je dois l'avoir, c'est qu'il y avait du Pikachu, mais j'ai dû l'avoir. Ouais, c'est celui-là, ok. Oh, il y en a deux. Il y a lui et il y a lui. Je pense pas que je l'ai, celui-là. Ok, il y a du Mewtwo et Mew, c'est pas mal ça. Hein. Le petit Jirachi, sympa. Oh, Ptera, on le voit pas. Franchement, on le voit pas assez, Ptera. Je trouve qu'il est quand même incroyable comme Pokémon. Oh, mais attends, mais il y a des bonnes cartes. Hein. Méga Ténéfix et Tyranocif. Oh, c'est dommage qu'il soit avec Darkrai. J'aime pas trop Darkrai, je le trouve moche. Mais Noctali, voilà. Le flow, hein, tu connais. Oh, mais attends, mais il y a des cartes sympas de fou, gros. Dracolos GX, il est vraiment cool. Hein. Même là, il y a un Dracolos comme ça, il est trop beau. Et après... C'est quoi cette carte de merde? Il est où Brindibou là-dedans? Mais attends, mais... C'est lui? Brindibou, il est là. Donc là, c'est Brindibou et notre Cocodalo, là. Il est là, le Brindibou. Mais il est minus. Je suis mort. Mais celle-là, je l'aime bien, en vrai. Oh, trop bien. La coquillasse qui mange la queue de... Psychoquack. Même celle-là, elle est sympa. Ouais, franchement, bonne collection, là, ça m'a hypé. Mais putain. Oh, putain, Régis, gros. Même les arcs-en-ciel. Oh là 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 là, mais wesh, y'a des cartes, gros, de malade. Bah, les gars, souhaitons-nous bonne chance, hein. Y'a des cartes, même la forêt jade, j'ai trop stylé en doré. Y'a des cartes de folie. Il y a des cartes de folie, les gars. Putain, on va s'empresser. Dinguerie, hein. Sous-côté, cette collection Harmonie des Esprits. Il y a déjà des gens qui en ont ouvert, ici. Ouais, c'est les gens qui viennent d'arriver, ça vaut quoi. Harmonie des Esprits, gros. Bon, bah là, c'est découverte totale tous ensemble, parce que je vous le dis, j'ai dû en ouvrir deux. Mais avec tous les boosters que j'ai ouverts, je m'en souviens plus. Et je sais pas pourquoi j'en ai ouvert que deux, d'ailleurs. Peut-être m'en rappeler de certains visuels en les ouvrant là. Ok. Je m'en rappelle pas du tout de ça. Hein. Concombave, gros. Ok, Vigoroth. Oh oui, sympa le petit Onyx. Ok. Trop marrante. Neuneuf. Rapion. Et Bagaïd, première rare. Pack de merde. Pack de merde, mais on en a en stock. Du coup, Osef. T'as su choper des coffrets 25 ans, Val? J'en ai quelques-uns qui arrivent chez moi. Et merci, Pimpus. Pimpus a réussi à m'en choper, du coup, il me les a envoyés hier. Et du coup, je devrais les recevoir normalement demain. Mais sinon, j'en ai déjà ouvert vers un coffret Dracaufeu, j'en ai ouvert. Sur Valos 2.0, il y a une vidéo qui vient de sortir. Ouais, elle est bien en plus. Oh, trop bien, trop bien, avec Ondine derrière, et oh, trop bien, et trop cool cette carte. Reliquant, pâte à modeler, mini Draco, Manglouton, 9-9 le retour, Dracarmine. Ah, je le trouve dégueulasse, je suis désolé, je le trouve dégueulasse. Hein. Et derrière, on a un Blizzaroi, aïe 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 aïe. Tu les ouvres le 20
Attends, je regarde mon calendrier. C'est mercredi 20. Ouais, peut-être le 20. Peut-être le 20. Je regardais en fonction des vidéos qui sortent la semaine prochaine. Parce que normalement, Pokémon, je les sors le lundi et le vendredi. Sauf aujourd'hui, exceptionnellement, parce que là, j'ai fait beaucoup de Pokémon dernièrement. Vu que j'avais pas de PC, j'ai compensé par Pokémon, tu vois. Mais là, je reprends un peu Fortnite, tout ça. Hop. Mais ouais, j'en ai fait une vidéo là, le coffret Dracaufeu, et franchement, c'était incroyable. Oh! Trop bien! Tauros. Goinfrex, c'est moi. Non, moi, je suis plus Ronflex en fait. Bagiguan. Oslay. Cornèbre en reverse. Malamandre en classique. Rare. Vas-y, on n'a pas de chance là. Trois boosters dégueulasses. Eh. Eux, ils vont porter chance, je le sens. Aujourd'hui, c'est anniv à mon frère. Bah, bon anniv à lui. Je pense que les coffrets 25 ans vont prendre une valeur de dingue. Il y en a beaucoup qui aiment. En fait, il y a deux camps. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi, franchement, je kiffe à mort. Retrouver des illustrations de l'époque et tout, parce qu'on va pas se mytho. Les cartes de l'époque avec les illustrations de l'époque, c'est inaccessible. Si t'es pas riche, c'est inaccessible vraiment. Du coup, ça fait plaisir de ressentir des sensations de comme si t'ouvrais de l'ancien, mais avec du nouveau, tu vois. Il y a juste le badge des 25 ans en plus, mais vas-y, on s'en fout. Eh, dans 25 ans, les cartes aujourd'hui. Ah voilà, elles seront super rares. Comme les cartes d'il y a 25 ans. C'est quoi ça? Sauf qui pou? Wesh. Bagiguan, décidément. Tarambule. Pas dingue. Il y a déjà une box 25 ans avec un cas sur eBay. Ouais, mais elle va vite descendre, hein. Là, c'est un mec qui, lui, il voit trop gros, lui. Parce que la box là qui vend à 1000 euros, je l'ai vu en plus. La box qui vend à 1000 euros, elle va être commercialisée à 130, je pense. C'est juste que la date officielle a été décalée et du coup, bah, c'est l'un des seuls à vendre en avant-première. Du coup, il a mis un prix exagéré, mais créfolé. Le petit Pika. Allez là, Exelang. Chakripant. Oh! Il y a un flot le magmarin. Ok. Attention. Charmina, je l'avais oublié ce Pokémon. Ah ouais. L'évolution de Meditika. Pokémon Ruby Saphir, ça. Je l'avais oublié. Comment va Mucifree? Va très bien. Je serai sûrement mort dans 25 ans. Cassage d'ambiance. T'as quel âge? Oh! Mais c'est trop bien, bah voilà. Si j'avais pas les Pikachu, j'ai les deux, hein. Énervé. Énervé. Allez là. Et attends, mais du coup, ça veut dire qu'on peut avoir deux Pikachu en reverse. C'est deux fois plus dur d'avoir les Pikachu du coup sur cette collection. Parce que les reverse, toi-même, tu sais, hein. C'est très dur, hein. Oh, sympa le Draco. Le petit Pikachu. Hop, lui, je sais pas si je l'avais dans ma collection. L'autre, je sais que je l'ai, mais lui, je sais plus. Oh, Chamallow. Je le kiffais. J'en avais toujours un dans mon équipe. Camerupt. Oh, Riolu. Oh putain de merde. Regardez ce que vous avez raté. Oh putain de merde. Les gars, la première vraie carte full art. Attention, je crois que c'est un dresseur. Pokémania qui est déguisé en Ramolos. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Nouveau dresseur à la collection.
bien évidemment. Après, il y a tellement de Pokémon à mettre en avant et tout. Ils mettent lui en avant. C'est qui ? Pokémaniac. Putain. Quelle gueule. Quelle gueule. Bon, après, je vois qui c'est pour le coup. Dans les jeux Pokémon, on le voit souvent. Monte le Aquali. Merde, putain, je suis en train de tout niquer. Hop. Le petit Aquali. Il est là, Aquali. Voltali. Pyroli. Et Mentali. Ça, c'est les cartes qu'on a déballées, les top cartes qu'on a déballées aujourd'hui. Mais sinon, vous faites rire. Et je commence à avoir un paquet là à côté. J'ai ça. Donc là, j'ai tout ça. Plus. Tout ça. Plus. Tout ça. Ça en fait de la carte. Hein. Je vais devoir tout ranger après. Putain. Ça prend du temps en plus à trier les cartes et tout. Hein. Allez. Hop, hop, hop. Là, on est sur du Harmonie des esprits. Poli. Tritox. Liboutou en reverse. Oh, des barres. Magnézon. Ok. En holographique. Bon. C'est bon à prendre, hein, vu que je commence cette collection. Je l'ai pas. Bon, allez, je vais aller tester le Mac Baguette Poulet. Bonne soirée, Val. Bon appétit. Je l'ai pas testé encore. Je le garde pour une vidéo. Pas celle de demain, parce que je l'ai tournée. Déjà, celle de demain, je l'ai tournée hier. Barbecue demain. Mais celle de la semaine prochaine. Je pense que c'est avec le Mac Baguette. Hop. Dans la vie de tous les jours, Pidi, tu l'appelles par son prénom ou tu l'appelles Pidi? Je l'appelle Pidi. C'est quoi ça? Blizzardville. Stal gamin, il est fin content, lui. Rototop. Et attention, noix de coco. Aïe, aïe, aïe. Et s'il vous plaît, donnez-moi pas qu'un Pokémaniac. Hein. Là, ça serait un scandale. Bon, ils m'ont donné deux Pikachu. Mais d'ailleurs, ça, c'est un des Pikachu McDo, ça, en vrai. C'est la même illustration. Hein. Au McDo, ils se cassent pas la tête, hein, vraiment. Juste, ils mettent un côté holographique et voilà. Le tour est joué. Encore bravo pour ton nouveau projet, Val, je te souhaite plein de réussite. Merci beaucoup, ça fait plaisir ton petit message toxique. Je commence à avoir une pile de codes aussi. C'est quelle série? C'est Harmonie des Esprits. Des gros projets hors YouTube en vue? Bah, Régalouze. Si tu sais pas de quoi je parle, j'ai fait une vidéo mercredi. L'un des plus gros projets de ma vie actuelle. Hein. Sauf Kipou. Pas recool, bah là on peut le dire, il se la coule douce. Ok. Oh! Une GX. Une GX, attention. Oh! Mentali et Deoxys GX. Pas mal. Bah putain, on est chanceux sur les Mentali aujourd'hui. Les Mentali m'ont réussi, hein, parce que là, j'avais le Mentali VMAX Full Art. Et là, j'ai le GX. Bah, GG, frérot. C'est propre, hein. Hop. C'est propre. Avec Deoxys. Elle est belle, la carte, hein. Franchement, en duo comme ça, j'aime bien les cartes duo. Ça change un petit peu. Même si mes cartes préférées, moi, ça reste vraiment les carrés, tu vois. Bah, j'aime bien les Amazing, en vrai. Les Amazing, je trouve qu'elles ont un sacré putain de flow. Mais j'aime bien le rectangle, tu vois, comme quand j'étais petit. L'holographique classique, j'aime bien. Hein. Mais bon, c'est vrai que, bah, par exemple, la carte, tu vois qu'elle est quand même travaillée, elle est belle, merde. La carte est belle, elle est travaillée, tout ça. Mais je suis quand même plus team rectangle, hein. Vous préférez quoi, vous?
Ça veut pas dire que la carte là je la trouve moche, hein. Même celle-là, hein, je la trouve magnifique la carte. Mais ça fait... C'est Pokémon récent, voilà, ça fait Pokémon récent. Ça n'est pas Pokémon à l'ancienne quand j'étais dans la cour de récré. Et moi vraiment les sensations que je recherche en ouvrant des cartes Pokémon, c'est vraiment des sensations que j'avais quand j'étais petit, tu vois. C'est pour ça que je kiffe, hein. Mais bon, après, en vrai, de vrai, tu te prêtes au jeu et... type 0. Tu te prêtes au jeu et franchement... Bah, quand t'as une carte comme ça, t'es hyper content quand même. Des barres, il y a un Sulfura derrière. Un nouveau Pikachu à la collection. Excellent. Oh, Victini. Holographique. Tu vois, ça j'aime bien. Hein. Bon, un peu simple. Mais j'aime bien les cartes comme ça. On a eu pas mal de Pikachu aujourd'hui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Pikachu. Hein. Je te laisse, ça roule, ça a souqué. Je viens de retrouver un Pikachu de 2009 niveau 20. Bah, bien joué. Bien joué, bien joué. Tac. Hop, c'est parti. Très bien. Karmash. Mémoire Ball. Toujours plus loin avec les Pokéballs. Hein. Passe rouge. Il est tout triste parce qu'il fait froid. Je suis un enfant, comment je parle des fois. Oh, il est tout triste parce qu'il fait froid. C'est à cause de Blizzy, ça. Oh. Tokopisco. Oh. Yes, 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 yes. Ok, qu'est-ce que ça peut être? On avait vu quoi? On avait vu quoi? Du coup, ça va être une carte escouade. On avait vu quoi? Noctali. Oh. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien, mon gars. Ça, c'est énervé. Mewtwo et Mew GX, les gars. La carte est incroyable. Ça, ça fait plaisir. Hein. Très bonne pioche, là. Très, très bonne pioche. Ça, on va en prendre soin, mon gars. Ah, Mewtwo Mew, hein, les gars. Pff. Quand ça touche à la première génération, ça touche au cœur. Hein. Ah, la carte est incroyable. Jusqu'aux yeux, ça brille, gros. Pas mal. Et on a des bonnes cartes, hein. Mine de rien, là, l'écran est en train de se remplir, frère. Et au final, pas de Dracaufeu. On a eu, du coup, tu sais, j'ai l'habitude de mettre de côté la famille Salamèche, Rétincelle, Dracaufeu. Mais pas de Dracaufeu. Et dans Harmonie, de toute manière, on peut pas avoir Dracaufeu. Donc, voilà. Je viens de casser mon délire, en fait. Salut, Levé. Ça va ou quoi, Enlé 10. Salut V, pourquoi tu fais pas de prédit? J'en sais rien, je sais même pas s'il y a des modos là sur le live. Si, il y a Saï qui est là. J'en sais rien, j'avoue. Oh! Ça brille encore, les gars. Bordel de merde, c'est notre jour de chance, ça y est. Qu'est-ce qu'on va avoir? Manglouton! Qu'est-ce que ça fout dans Pokémon, ce truc-là? Frère, et son évolution, c'est pas assez un lustre. Funessire. Passe rouge. Le retour de passe rouge qui est tout triste. Et attention. Oh, c'est... Non, c'est pas du full art. Putain, encore une escouade, les gars. Attention. Oh, lolo, mais de nouveau, wesh. Mais qu'est-ce que c'est que ce bail? Attends, mais c'est la première fois que j'ai un doublon de cartes super rares dans une demi-display. C'est la première fois. On l'a eu en doublon, wesh. Je suis mort de rire. J'aurais préféré en avoir une autre, hein, mais... Mais mec, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je peux pas m'en plaindre, là. Hein. Alors, des boosters, il m'en reste 1, 2, 3, 4, et puis après, j'irai manger. J'y pense depuis tout à l'heure. Yovalouz, la vache, tu as mon Pokémon favori, Pyroli, le Seum. Il est stylé en plus, hein. Regarde.
Chanceux là, chanceux. Hein. Franchement, là pour le moment, harmonie d'esprit, du coup j'ai eu ça, ça, ça et ça. Et du coup, les picas. Ah non, franchement, j'avoue que là j'étais plutôt chanceux quand même. L'eau classe, par contre, combien de fois je l'ai, wesh? Reliquant pâte à modeler. Ainsi, Satché. Trompignon. Magnéti. Passe rouge. Fossile inconnu. Ah, retour à la normale. Coup de langue. Évolution d'Excellangue. Hop. C'est compliqué de faire des prédits sur des cartes Pokémon, mais si vous les lisez, pourquoi pas. Bah en fait, en gros, si tu fais des prédits booster par booster, gros, tu veux être comme ça, ça y est. Écrire les prédits à chaque fois. Allez. Là, on arrive à la fin, les amis. Hein. Ceinture de karaté. Et ce Magmar là, tu lui mets un petit coup d'holographique, il a un flow monumental. Hein. Ok, Dimoclès. Lucario. Lucario qui est clairement en train de se battre. Il est quand même stylé. Lucario, c'est un Pokémon qui est quand même coté. Hein. Sympa. Je m'en bats les couilles. Ah putain de merde. Wesh Servio, ça va ou quoi gros? Et tiens Servio, tant que t'es là. Le nouveau farming il sort quand gros? J'ai envie de le sécher avec le double. Le 22 novembre. En novembre il y a beaucoup de jeux qui sortent, hein. Putain. Il va falloir qu'on se focus sur les bons jeux là. C'est pas trop dur d'alterner ta vie privée et YouTube. J'ai plus trop de vie privée, donc... donc si, c'est un peu dur. Débat, Gouroutant. Farfuré. Ok, c'est parti. Aïe, 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 aïe. Je veux un Dracolos. Je veux un putain de Dracolos. On est d'accord, c'était dans cette collection qu'il y avait des Dracolos. Un Terra! Je veux un Terra! Dernier booster, les gars. Dernier booster, je vois, c'est le désordre absolu là, avec tous les boosters que j'ai ouverts aujourd'hui encore. Ah non, j'en ai deux encore après. Oh oh, j'en ai deux! Je les ai vus à mes pieds, j'en ai deux! Toujours Harmonie des Esprits, j'en ai deux sous booster. J'en ai deux comme ça, putain! Yes, I! Quand il y en a plus, il y en a encore. Je prends mon temps. Hein. C'est normal, c'est les derniers. De nouveau, ceinture de karaté. Ouh putain, j'ai failli faire de la merde, gros. De toute façon, on s'en branle de ces cartes-là, on va pas se mytho. Mimantis, c'est qui, lui? Mec, Larvaite. C'est quoi, ça, Vorastery? C'est qui, eux? Ils soudent de ma gueule. Alors là, c'est le pack le plus nul de l'année, là. C'est pas possible. Araquois. Mais c'est une blague. Mais c'est qui ce Clébar, gros? Zygarde. Oh là là, le pack, il était éclaté, mais heureusement que j'en ai deux autres. Il était nul. Je me suis fait troll, là. Bon. Là, c'est officiellement l'avant-dernier. Hein. Je regarde. Il n'y en a plus qui traîne. J'ai tout ouvert aujourd'hui. Tout ce que je vous ai montré il y a... Bon, après, ça fait 1h39 que j'ouvre des cartes Pokémon quand même. Hein. Tout ce que je vous ai montré il y a 1h39, du coup, on l'a ouvert. Ah, même la caméra, de plus en plus, là, elle veut partir. Elle aussi, à la fin. Énergie. Carapagos. Ok, Vigoroth. Merci beaucoup. Oh, mon petit frérot, comment ça va?
Je sais pas si tu as vu passer mon tweet, mais grave fier de toi, j'espère. Ça a fonctionné, je t'ai vu grandir depuis tes tout débuts. Je le sais, frérot. Ça a fait plaisir, mon petit frérot, ton sub. On verra, on va se donner pour. Hein. Paracool. Monorpal. Magnéti. Passe rouge. Attention, Momartic, j'aime bien. Putain, sérieux. Camerupt. Putain. Camerupt, j'aime bien Camerupt, mais vas-y. Je veux un Ptera, là. On veut un Ptera, gros. Bon, le dernier. Officiel. Allez. Le dernier, les gars. Il y a un petit Noctali dessus. Il est gonflé. Je le sens gonflé, mais ouais. C'est trop bizarre. Il est gonflé, les gars. Le dernier de la soirée, les amis. On veut quelque chose de lourd, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Free Benzema. Merci pour tes vidéos incroyables depuis Eclipsia Bonap. Ah là 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 là, ça fait plaisir, ce genre de message d'ancien comme ça, là. 1, 2, 3, 4. Hein. Putain, faut pas que je me faille sur le dernier, les gars. Allez. J'ai eu deux boosters gonflés aussi aujourd'hui, j'ai rien eu. Ah, bon, merci de casser mes espoirs. Justement, moi j'étais en mode j'ai un truc de fou dedans. Ok, Crefadé. Tactique de Blue. Alias Régis. Ainsi Satché. Sauf Kipou. Sonistrel. Farfuré. Croquine. Statistique. Sucraine. Allez, s'il vous plaît. Je veux pas avoir de bord jaune. S'il vous plaît, je veux pas avoir de bord jaune. Krabarak. Putain de merde. Putain de merde. J'y croyais jusqu'au bout, les amis. J'ai eu un putain de Krabarak. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est éclaté. C'est éclaté. Wesh, David, ça va ou quoi, gros? Mais non, t'es là, Ti. Et David, les gars, qui me host et tout. C'est mon dernier booster, frère. C'est mon dernier. J'en ai ouvert 60 encore aujourd'hui. C'est mon dernier booster. T'arrives au moment où je termine. Je vais faire un petit tour de ce que j'ai eu aujourd'hui. On va regarder tous ensemble. Ce fut quand même un bon pack opening, même si, bon, pas 100% chanceux. Mais voilà. Alors, on a ouvert plusieurs collections. Tac. Alors, on a eu bon, les Pikachu que je garde de côté, bien évidemment. Pikachu Harmonie des Esprits. Là, pareil, c'est Harmonie des Esprits. Pikachu Alliance Infaillible. Voilà. Donc, on a été garni. Bon, ça, c'est un même. Ça, on s'en bat les couilles. C'est du voltage éclatant. Logia, parce que bah, c'est dans mon top 3 de mes Pokémon préférés. Donc, les Logia, je les mets de côté. Voltage éclatant, toujours. Là, on a, attention, un petit Zacian Amazing, voltage éclatant. Mantali et Deoxys GX, bah, du coup, ce qu'on vient de faire, Harmonie des Esprits. Pokémaniac, Harmonie des Esprits. Pikachu VMAX, c'est vrai qu'on a eu un Pikachu VMAX, voltage éclatant. Farm V, Full Art, voltage éclatant. De nouveau, Mantali et Deoxys GX, dans la même demi-display, Harmonie des Esprits. Oh là là, celle-là, elle est incroyable, putain de merde. Mentali VMAX, pas là, 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 là. Ça, c'est Évolution Céleste. Farfadu VGX, c'était dans quoi, les gars, qu'on l'a eu, ça? Je pense que c'est Alliance Infaillible, hein. C'est de la merde, hein, quoi qu'il arrive. Faiza, Arc-en-Ciel, voltage éclatant. Zarud V, voltage éclatant. Mewtwo et Mew GX, elle a un flow. Elle a un flow, celle-là. C'est Harmonie des Esprits. Pyrolivé, Voltalivé, Aqualivé, c'est Pokébox ouverture, carte de promo. Et Pikachu promo d'un tripack Ténèbres embrasées. Voilà, ma caméra elle veut partir, allez hop, je te laisse dormir. Ce fut quand même bien cool, on a ouvert beaucoup de collections mine de rien. Re, j'ai loupé quoi? T'as tout loupé.
Puisque c'est la fin, les amis, c'est l'heure de manger. J'ai la dalle, je vais aller grailler tranquillement. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Moi, je vais d'abord un petit peu ranger du coup toutes mes cartes parce que là, il y en a partout. Merci encore, mon petit David. Prochaine fois, il faudra venir plus tôt. Hop, je range ça. Tac, bon week-end tout le monde. On se reverra peut-être ce week-end ou sinon un peu plus tard. Freestyle comme d'habitude. Abonnez-vous. Vous êtes les boss. Ciao tout le monde.